Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed 3. Donc nous sommes à New York pour les missions secondaires. Et on va donc reprendre... on va faire les coffres, tiens. On a jamais dit que je les terminerais, donc on va faire tous les coffres là, ce sera bien, ça va faire un petit tour de ville. Comme la map est pas trop grande, hein, bon je me permets de faire des missions un peu à thème et de laisser de côté les autres qu'on fera après. Je trouve ça aussi bien. Donc là on va déjà faire tous les coffres et quand on aura terminé je pense qu'on attaquera les contrats d'assassinat. On dirait un peu Boston d'ici. C'est quoi ça, Washington? Oh, attendez, je vais déjà aller faire le coffre au-dessus avant. Ah, bah d'où il sort, et donc il arrive de l'eau? C'est vrai que pour une société du 18e siècle, je trouve étonnamment moderne hein, ici. Hein. Bon, les Amériques, il y a toujours un peu un train d'avance. Hein, déjà, c'est un pays nouveau, et puis c'est vrai que. Ça dépend pourquoi quand même, mais je trouve que parfois le progrès technique va plus vite en Amérique qu'en Europe. Enfin, ça dépend pourquoi. Ça suffit, compris ? Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé. Vous avez perdu la tête ? Une émission est-il l'unique ? Arrêtez ça! Qu'est-ce que vous me voulez? Mais déjà, je me rappelle qu'au 19e siècle. Ouais, j'étais à peine en retraite. Et je me rappelle que. Voilà, on disait déjà pas mal qu'en Amérique, ils avaient beaucoup plus de choses que nous, qu'ils avançaient beaucoup plus vite, même dans l'automobile et tout. Ils avaient déjà. Ouais, ils avaient déjà des automobiles au 19e siècle, hein, aux États-Unis. Hein, et ça a mis beaucoup de temps à venir en Europe. Alors, on fait Washington, ça se trouve ça va nous embarquer dans carrément autre chose que le projet qu'on avait d'ouvrir les coffres, mais bon, je voudrais voir ce que c'est. Bon, il y a juste un pauvre petit W, là. C'est George Washington, lui? Oh oui, c'est lui, hein. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Connor. Général. Je suis heureux de te voir. Vous avez atteint votre but. Qu'allez-vous faire désormais? Très bonne question. Et franchement, je n'en sais rien. Des hommes plus intelligents que moi façonneront les fondations de ce pays. Car j'en suis incapable. As-tu déjà joué aux boules? C'est un passe-temps que j'apprécie. Je ferai préparer un terrain à Mount Vernon dès mon retour. Après tous ces sacrifices, vous allez laisser les tâches cruciales à des hommes plus capables pour vous amuser? J'aurais dû m'y attendre. Connor. Que vous vous estimiez capable ou digne de la tâche, après ce que vous avez fait pour en arriver là, vous ne devriez pas avoir le droit d'être en paix. Faut jouer au boulot avec Washington. Bon, c'est quoi? C'est la pétanque? Ah oui, c'est ça, c'est la pétanque. Hein. Je suis tout près du cochonnel, allez donc. Allez, Washington! Ah,
Oh la vache, il est fort lui aussi. Hein. Oula! Non, pas un bon lancer ça. Oui! Voilà qui corse l'affaire. Oh là là! À ce compte-là, je vais vite gagner. Ça fera l'affaire. Aïe aïe aïe! Il joue bien ce petit malin. Oh bah merde, il a gagné ce con là. On entend une révolte à côté là, pendant que nous on joue boule. Oula, alors c'est aléatoire là. Hein. Avec le terrain. Oui, on est pas loin, on est pas loin. Oula! Ils sont trop forts hein, les mecs. Hein. Ah oui, d'accord, ça bouge, je n'avais pas compris. Vache. Merde. Non, pourri, pourri. On est pas loin, mais bon, il gagne là. Je te félicite. Oui. Cela me convient. Ah, j'ai perdu. Yes. Aïe, 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 aïe. Oh, oui, c'est bon. Aïe aïe aïe! À ce compte-là, je vais vite gagner. Oui! Oui, oui, oui! Merci pour cette partie. Ouais, je vais. Non, faut pas que je ferme mon pari, faut pas que je ferme mon pari. Je crois qu'il faut qu'on gagne la partie. J'ai compris ton jeu. Ça ferait l'affaire. On domine pour l'instant. Mais bon, pour combien de temps? On domine, on domine, on domine. Voilà qui corse l'affaire. Ah! Joli coup, joli coup. Non!
Oui. Cela me convient. Ah ! Résultat regrettable. Du coup, faut que je recommence ? J'y crois pas. Oh là là ! Eh, mais c'est injouable, hein ! Ah bon, d'accord, c'est pas George Washington, c'est un ordinateur, hein, mais les ordinateurs, ils jouent bien. Bon, on va admettre que c'est George Washington. Il joue très bien aussi, hein, d'ailleurs. On a vu tir droit, c'est bien pour dégager l'autre. Si on vise droit. Voilà. Voilà qui corse l'affaire. Je laisse celle-là. C'est qui gueule là-bas? Ça se trouve, il gueule après nous parce qu'on joue aux boules. Non, c'est trop large comme lancer ça. Ouais, ouais, catastrophe. Catastrophe. Oh là là, fou. Aïe aïe aïe, non, c'est pas bon. Allez, vas-y, Washington. Perdu. À mon tour. Voilà, on va pouvoir le dégager comme ça. Non. Bon, on a un peu ouvert le jeu comme ça. Ça ferait faire. Aïe aïe aïe. À ce compte-là, je vais vite gagner. Oh, oh, oh. Voilà qui corse le fer. Il faut gagner les boules pour pouvoir vaincre Washington. Mais c'est quoi cette arnaque? C'est super dur en plus. Joli coup. Joli coup. Oh zut! Elle a gagné, là. Oh, on est foutu, hein. À moins qu'on arrive à vraiment à emporter... Ouais. Et non. Oh. Oui, t'as compris, mais on n'y arrive pas. Hein. Ah oui, on domine. Merde, c'est pas ça. Ah
Voilà. Cela me convient. Oh. Là, j'ai perdu. Oh. Oh, ça me saoule. Oh. Putain, on perd notre temps. On peut pas réussir. Hein. C'est infaisable. Infaisable. On va aller faire des trucs un peu à part. On ira voir ça plus tard quand j'aurai vraiment du temps à tuer. Et puis, j'enregistrerai et je vous laisserai que la séquence où j'aurai réussi, je pense. Vous avez entendu la page? Il y avait une page de la manac dans le coin, mais je dois pas avoir la carte pour. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans les missions secondaires. Ça n'en manque pas en tout cas. Merci. Bah alors on se jette à l'eau comme des cons. Un autre amateur. Je commençais à mon... Sur le traîneuse. Tu ne me toucheras pas. Les solides, lui, par contre. On ne frappe pas ce qu'on ne peut pas voir. Merde. Ah, mais c'est pas juste. Bon, bah, le combat, il sera pour plus tard. Je vais faire le coffre qui est là. Un crapule. C'est pas le même type de combat là. Arrêtez de tirer, bande de con, allez. Non, je voulais pas de ça. Surtout pas. J'ai mieux. C'était juste. Alors, allez, on retourne au combat maintenant.
se passe ici? Allez. Goldman est le marchand le plus à même de satisfaire tous vos besoins agricoles. Bon, ce coup-ci, je vais aller les drainer à l'intérieur du bateau, là, qu'ils tombent pas à l'eau, parce que sinon, c'est foutu. Un autre amateur. Je commençais à m'ennuyer. Hey, il est malin, là. On ne frappe pas ce qu'on ne peut pas voir. Voilà, ça c'est réglé, c'est réussi. Forteresse, on la fera un peu plus tard. Il y en a deux, de toute façon. Je me les réserve. On va aller faire les coffres qui sont là-haut, tiens. Bon bah là, y'aura pas d'épisode spécial coffre, hein, on les fera un peu comme ça, là j'essaie d'en faire un max, et puis sinon les autres ils sont dans les forteresses, donc les forteresses on les fera après. Alors ce sera peut-être ce qu'on fera dans le prochain épisode, tiens, ça changera un petit peu, des petites missions, on fera les deux forteresses. Oh il m'énerve ce cheval, hein, oh. Il reste plus grand chose dans cette pauvre demeure. Tout est à refaire là, je crois. Hein. Ouais, surtout qu'à l'époque, bon, ça brûlait bien vite, quoi. Hein. Quand il y a les trois quarts des trucs qui étaient en bois. C'est joli le bois, hein, attention, hein, mais ça brûle vite. Hein. Le cochon. Hop. Tout ça pour faire 30 mètres. Hein. Ça c'est bon. Oh, les contrats d'assassinat, il n'y a pas grand chose. Hein. Non, mais bon, on va se les garder. Hein. Bon, quoique. Il y a tellement rien. Ah, il y a tellement trois fois rien. En vrai, je vais. On va faire des épisodes pour ça alors qu'ils sont tous. Il nous reste encore 5 minutes. On va attaquer. Ça va vite en plus. Hein. Ah ouais, c'est bien toute la largeur de Manhattan, hein. Je sais pas si c'est la largeur réelle, j'ai envie d'y croire, mais bon. Ça me paraissait beaucoup plus grand que ça, Manhattan, beaucoup plus large, j'espère. Où sommes-nous? Je sais pas pourquoi on m'en fait dézoomer, il n'y avait plus aucune icône, bon. On va aller là. Allez, 600 mètres quand même. Oui, c'est... Faudrait que j'aille... Tiens, j'irai calculer après l'épisode. Je vais aller voir sur Manhattan si c'est, ça fait vraiment 600 mètres de large. Ça se trouve, oui, hein.
ça me paraît totalement petit quand même. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là. Je sais pas qui sont ces gens, mais bon. À mon avis, c'est des mouchards, des trucs comme ça. Mais bon, là, on n'a pas de niveau de recherche. Hein. Bon, peut-être quelques sous à récupérer sur eux. Contrôlez-vous, monsieur. Ouais, on arrive déjà à l'autre bout là. On le voit, il y a la mer, il y a les bateaux. Ouais, on voit là, le bord de mer. Ah bah alors, on nous fait disparaître la mission. Ah c'est bon. Ok, c'est parce que ça s'indique après. Ok, c'est vrai, je vous sèmerai pas, les gars. Je vais pas m'échapper. Au revoir. Allez, on sait. C'est bien, ça nous a occupé pas mal pour l'épisode. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Sur ce, ciao.